Bonjour tout le monde, c'est Nati. J'espère que tout le monde va bien. Mes chéris, Bélier, c'est pour vous. Donc, du 24 au 30... attendez. Oui, je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, au 30 janvier. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais bien. Alors, et je vous souhaite également que tout se passe bien, que vous allez, que vous avez une bonne santé, sinon que ça s'améliore. Et que, en général, que ça se passe bien. Bonjour ma France, bonjour à l'international, à tous les pays du monde, vous qui me regardez. Je vous envoie de gros bisous, pardon, et de l'amour inconditionnel et des très puissantes et bonnes énergies. Alors, merci à tout le monde. Donc, vous partagez cette aventure depuis 2 mois, le 17, jour pour jour, hein. Ça y est, j'ai atteint les 1000 abonnés. Donc, quelle fierté, quel bonheur, quelle joie. Je voulais vous remercier parce que c'est grâce à vous, mes chéris. Voilà, je le partage avec vous aujourd'hui. C'est une réussite. On continue comme ça et je le souhaite. C'est un super magnifique échange entre nous. Voilà. Alors, merci aussi également aux personnes qui sont abonnées, mais ceux qui vont s'abonner également. Donc, à droite, vous avez la petite cloche qui vous prévient. Et c'est pour ça que c'est important de s'abonner, qui vous prévient quand je poste une nouvelle vidéo. Ensuite, merci pour vos likes, vos pouces en l'air. Et merci d'avoir partagé mes vidéos, mes chéris d'amour. Partagez, voilà. Partagez l'amour, partagez mes vidéos. Et puis, peut-être que vous connaissez des béliers qui en ont besoin et qui ne me connaissent pas. Donc, voilà, merci de faire grandir ma chaîne. Et puis, voilà, c'est un échange entre vous et moi. Merci beaucoup. Et puis, donc là, on va démarrer tout de suite. Donc ici, ça sera le foyer, la famille et les amis proches et des enfants, les enfants si on en a. Ici, ça va être l'amour, le professionnel et le financier ensuite. Allez. Et si vous avez besoin de moi, d'une consultation en privé, vous avez en dessous de la barre d'infos toutes les informations. Vous avez mon mail. Donc, voilà. Alors... on a quelque chose de nouveau là. Hein. On va renaître, hein, bébé. Il y a une bonne période là, les béliers. Il y a une tristesse aussi qui s'en va. On guérit là. On guérit au niveau de la santé, au niveau également de, comment dire, une guérison. On va mieux. En tout cas, il y a une période comme ça, là, qui arrive. Ouais. Ah oui, il y a quelque chose dans l'air, là. C'est clair, hein. Il y a quelque chose qui se joue, là. Hein. Qui se trame, qui se joue en coulisses, mes chéris. Ouais, ouais. Oh oui. Super. Au niveau de l'univers, ah oui, oui, on laisse là sans regret quelque chose. Voilà, vous adaptez, mais on le laisse partir, on laisse sans regret et on avance. Là, c'est terminé, on a envie d'avancer et il y a la joie qui revient, hein, mes chéris. Bon, ici. Au niveau de... Ah non, yo-yo, tu vas me faire rater ma vidéo. Et puis, là, j'ai un bon jeu. Bien. Alors, excusez-la, hein, bah, c'est un chien. Donc, elle aboie, ça lui fait du bien aussi. Puis, dès qu'il y a des gens devant la maison, elle aboie. Eh bien, oui, c'est son rôle. Et elle fait très, très bien son rôle de garde. Alors, ici... Si on a du nouveau, parce qu'on a fait aussi un travail pour évoluer, pour avancer, ici, je vous dis, il y avait une tristesse, elle s'en va. Ici, on a
on a planté les bonnes graines. Et pour le coup, ça va pousser. Ça va pousser. Ici, c'est fécond, c'est quelque chose de beau et quelque chose de positif, quoi. Hein. C'est favorable. Hein. Vous avez une réussite ici, hein, c'est clair et net. Et vous avez ensuite ici là, l'étoile. Donc, je vais regarder, attendez. En tout cas, au niveau du foyer, ça se passe bien. Vous êtes, comment dire, bien. Ah ouais, je les laisse les trois. Vous êtes bien ancré, vous êtes bien aligné et ça se passe bien. En tout cas, il y aura une belle période. J'espère que ça parlera à un maximum de monde. Ici, il y a une grande ouverture. Il y a quelque chose qui arrive. Hein, je vous dis, hein, il y a le temps là. Patience, il y a quelque chose qui arrive. Vous allez, peut-être qu'il y a des personnes qui vont emménager ou déménager, hein, ou acheter ou vendre. Hein. Mais en tout cas, on a la clé ici, la porte. On ouvre une belle porte là. Là, il y a de la réussite dans l'air. Il y a la joie, il y a le soleil ici. Hein. Il y a des oiseaux, il y a des bonnes nouvelles. On va faire une rencontre aussi, hein, pour les célibataires. Pour les personnes qui sont seules, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous n'allez pas rester seul longtemps. C'est le cadeau de l'univers. Hein. Ici, vous avez le miroir magnétique. Vous allez attirer en fait. Hein. Vous allez attirer ce que vous voulez. Ce que vous souhaitez, vous voyez, et ça va se réaliser, mes chéris. Et vous êtes protégés. Hein. Alors, je suis très contente. Et après, au niveau de l'amour, ici, vous avez un vœu qui se réalise. Il y a des personnes qui vont également avoir envie de. Ils vont quitter la solitude. Hein. Ils démarrent une relation. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Et il y en a d'autres qui vont. Ils vont réaliser leurs souhaits et du coup, ils vont soit par un nouveau projet en amour, soit par une nouvelle relation. Ils l'ont demandé, mais vous ne resterez pas seul longtemps. Oui, vous démarrez. Alors attention, on va vous jalouser. Hein, d'accord? Et il y en a pour certains, la jalousie chez vous ou chez l'autre, elle est déclenchée. Elle est déclarée et quand il y a trop de jalousie, c'est pas bon, on est dans le trop. Donc on se rend malade et on rend malade l'autre. Donc vous allez me dire oui, mais c'est pas pour rien que je suis jalouse ou jaloux. Vous adaptez homme ou femme, hein, le tirage, je ne fais pas de différence. C'est pour les dames, c'est pour les messieurs et c'est pour les jeunes hommes, jeunes filles, tout âge, tout sexe, hein, d'accord? Vous adaptez s'il vous plaît. Oui, parce que ici on me disait vous voulez, il y a de la réconciliation dans l'air, hein, et c'était à cause d'une broutille, d'une jalousie. Vous me direz quoi, mes béliers? Voilà. Donc réconciliation, il y en a qui vont guérir, hein, vont plus rester seuls. Hein. Que vous soyez célibataire ou vous étiez en séparation, voilà, vous vous remettez ensemble, de la légèreté, c'est super. Non, il y en a trop là. De la légèreté et de la souplesse, c'est ça. Et on va devenir un peu plus flexible avec l'autre. Hein. On va se calmer au niveau de la jalousie. Hein. Ou alors, on va demander si c'est l'autre, si c'est pas vous. Il y a l'espoir. Il y a l'espoir, voilà. On a jeté une bouteille à la mer. Enfin, vous imaginez. C'est comme si on avait jeté une bouteille à la mer. Et puis, il y a l'espoir que l'autre. Cher Bélier, que l'autre lise le message, nous écoute, voilà, ou alors vous vous remettez en tout cas avec quelqu'un, et d'autres, ils ne vont pas être seuls, hein, ça fait longtemps, hein, ça fait un moment qu'ils le désiraient. Il y aura la fidélité, où il y a déjà la fidélité. On vous dit permission, c'est super, tendresse, c'est trop mignon, tendresse. Oui, il y a eu de la séparation. Il y a eu de la séparation. Alors après, c'est soit il y a eu de la séparation, soit il va y avoir la séparation. Et puis en même temps, voilà, parce qu'on était fragile, ou il était fragile, ou elle était fragile, ou alors c'est notre couple, vous voyez, ça tenait qu'à une corde, ça s'est déchiré, quoi. Elle a craqué la corde. Mais on va se remettre ensemble, il va y avoir de la tendresse, et puis on va se pardonner. Puis je vous dis, arrêtez avec cette jalousie, ou alors si c'est l'autre.
Ouais, il y aura de la sensualité ici. Ça va être fort, hein, ça va être passionnel. Hein, Kamasutra, sexualité, sensualité, charnel, ça va être puissant. Là, il y a la rencontre. Hein, il y a le rendez-vous. Hein. Ouais, chance. La chance. Et bien que la chance vous accompagne, mes chéris, je suis contente pour vous. Ouais, on se redonne une chance. Hein. Et puis, il y en a d'autres, comment dire, ils vont rencontrer l'âme sœur, j'allais dire. Bah oui, l'âme sœur. Écoutez, pour ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas, appelez-le comme vous voulez. Vous rencontrez quelqu'un très bientôt. Vous le méritez. Vous méritez l'amour. Oui, mes béliers. Vous êtes dignes d'être aimés, mes chéris. Au bout, vous avez quelqu'un. Elle est en train de viser quelqu'un, mais qui, on ne le voit pas encore. Ça arrive. Vous n'allez pas rester seul hein, longtemps. Hein. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Décidez-vous, imaginez la personne que vous désirez et faites vos demandes. Hein. Il y a des portails puissants, énergétiques. Là, bientôt, je vais faire la vidéo. De toute façon, cela vaut la peine. Il y a quelque chose en coulisses, je vous l'avais dit. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, mes chéris béliers. D'accord? Donc, et puis, voilà, si on a envie de se remettre avec la personne, on fait tout pour. Voilà, discuter cœur à cœur, conversation ouverte cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, hein, attirer votre âme sœur, attraction mes chéris. Ah ouais, non mais là c'est du beau, hein. Il y en a certains, pour certains pas tous, c'est à vous de décider. Laissez une chance, et je vous le disais avec le trèfle, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Demandez à l'autre de faire l'effort aussi, hein, de travailler ensemble, main dans la main, mes chéris, face aux problèmes de la vie. Pas qu'on se tient la main quand il fait beau et que tout se passe bien en amour, dans notre nid. Voilà, nid d'amour. Attirez votre âme sœur, prière et affirmation. Visualisez, ça confirme. Visualisez sincèrement. Vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Attraction, vous êtes attirés l'un envers l'autre comme des aimants. D'accord? Magnifique. Magnifique. Oui, vous allez donner de vos nouvelles ou la personne va donner... de ces nouvelles, hein. Message. Hein. Vous ne resterez pas seul, mes béliers. Hein. Et puis d'autres, il y a eu la séparation, vous allez vous remettre ensemble. Hein. Vous étiez malheureux, malheureuse. Vous adaptez, hein, s'il vous plaît. Il y a le soleil. Hein. Il y a le soleil, la joie, il y a la concrétisation. Il y a la joie, il y a la plénitude. Là, c'est magnifique. Hein. Je devrais rester sûre. Hein. Il y en a trop. Il y en a trop, hein. L'hélice, c'est l'amour, hein. C'est la pureté, la légèreté, la pureté, l'amour, hein. L'hélice, hein. Là, magnifique, hein. Magnifique. En dodec, vous avez ici le trèfle à nouveau, il y a une belle période de chance, là, ici, hein. Là, vous avez nouveau projet ensemble dans le nid, hein, comme je vous disais. Hein. On a encore le soleil ici. Hein. On a la joie hein, et de belles énergies ici. Hein. Et puis, on a la chance. Hein, donnez-vous la chance, ça vaut le coup. Et puis, pour ceux qui sont célibataires, il y a l'amour qui revient. Et pour ceux qui sont en couple, il y a un vœu qui se réalise. Il y a quelque chose qui se réalise ici. Il y a de la passion, il y a de l'amour. Il y a de l'engagement ici. Hein. On monte d'étape, quoi. On monte de palier d'étage. Hein. Une étape supérieure, là, on atteint. Et ici, le vœu, il va se réaliser. Je l'ai ici, hein, mes doudous d'amour. Hein. Oh non, mais ici, ancrage, la chance. Ouais, ok. Alors, ensuite, bah, je suis contente. Hein. Oh là là.
Je vous dis là, vous allez laisser tomber même la jalousie, vous allez faire un travail sur la jalousie si c'est vous ou l'autre, vous allez lui demander de faire un travail et puis pour que ça parte, hein, pour qu'elle ne soit plus dans votre vie. Ici, de toute façon, moi je l'ai senti comme ça, je sens les choses, donc du coup, c'est pas pour rien que j'allume des différentes couleurs, ça dépend. Et là, les messages étaient de mes guides que je vous allume, argent. Argent pour l'argent, d'accord, mais c'est pas que ça, c'est argent pour renforcer les liens de relationnel avec vos enfants, pour certains, avec votre famille, vos amis et en amour notamment, d'accord. Donc voilà, bah c'est de ma part, hein. Écoutez, j'essaye de faire toujours au mieux. Vous êtes beaucoup dans mes pensées, je fais des demandes et puis vous le savez. Donc, ma foi, je vous envoie toutes ces bonnes énergies et gratitude aux éléments, gratitude aux guides, gratitude à l'univers, mes chéris, à Dieu. Hein, n'ayons pas peur, Dieu, l'univers, la source, le un et tout, le tout et un, l'invisible par le visible, mes chéris. Là, qu'est-ce que je vais prendre? Bon, déjà ici, moi j'aime bien parce qu'ici, vous étiez pas bien. Alors, j'ai un message pour ceux qui sont en deuil. Vous allez arriver que ça va aller mieux. Et le message, il est... Voilà, la personne, c'est spécifique hein, ce que je vais dire. La personne, elle est dans la lumière. Elle vous dit qu'elle est dans la lumière, mais une lumière qui lui fait, qui lui apporte une joie, qui le berce, qui... Une lumière, mais cette personne, elle est bercée par la lumière divine, elle est ailleurs et il y a de la douceur, il y a de l'amour, un amour, mais incroyable. Et cette personne vous aime, vous envoie de l'amour, vous aide dans votre vie, hein. Elle vous protège. Hein. Magnifique, c'est pas pour tout le monde, hein, c'est particulier. Mais cette personne, c'est un amour inconditionnel qu'avoue vous, cette personne, et voilà, elle est pas là, elle est plus là aujourd'hui, mais dites-vous qu'elle vous protège et elle vous dit qu'elle est dans, cette personne est dans la lumière, d'accord? Alors, ensuite, ici au niveau du travail, bon, revenons à nos moutons parce que j'avais un message particulier, donc je le transmets, c'est comme ça. Ici au niveau du travail, vous allez avoir une belle période, hein. Il y a des ouvertures, donc envoyez bien vos CV, ne lâchez rien. Et puis ici il y a de la réussite, concrétisation, plénitude, joie, on va être heureux, hein. Ici, il y en a d'autres qui quittent un travail, mais pénible. Mais de toute façon, il y a autre chose qui vous attend. Pardon, excusez-moi. Oh là là, avec le cappuccino, ça remonte. Désolée. Ici, vous avez le... Je ne sais pas, moi, je vous dis honnêtement, maximum mai. Mai, juin, juillet, vous allez me dire, c'est l'été, ouais. En tout cas, il y aura un travail, hein, croyez-moi. Donc, ne lâchez rien, s'il vous plaît. Il y en a d'autres qui quittent le travail, ils n'en pouvaient plus. Hein. Et il y en a d'autres qui étaient perdus, ils ne savaient plus vers quelle voie vous diriger. En fin de compte, c'est la voie du cœur, hein, au final. Hein. Ah ouais, vous vous êtes rendu malade. Mais ça va aller. Il y en a, là, ils ont la santé, Dieu merci. Le travail, il arrive, hein. Oui, on vous dit un grand oui, d'accord? Peut-être que vous allez passer, pas un concours, mais peut-être un, comment on appelle ça, des tests. Vous voyez ce que je veux dire, quelque chose comme ça. Hein. Et il y en a d'autres qui se préparent là et c'est un grand oui. Hein. Vous allez réussir votre examen, mes chéris. Et il y en a, ils ont peut-être aussi médical, vous savez. Ouais, santé, travail, examen, oui. Ouais. Ici, ça va être bon pour la visite médicale. Hein. Ça vous, enfin, peut-être vous vous inquiétiez. Ici, ça va être un grand oui. Hein. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, il y en a trop. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mes loulous d'amour, mais ici, je suis contente. Hein. Il y en a trop. Il y en a deux, j'en voudrais qu'une.
Et ici, au niveau des finances, il y a quelque chose, hein. Il y a de l'argent qui rentre, hein, mes chéris. Je ne sais pas combien, hein, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, c'est bon, là, c'est oui. Et puis, il y en a d'autres, par contre, ça va très bien. Parce qu'ils ont besoin d'argent pour un projet. Pour un projet en amour, peut-être des fiançailles ou un mariage ou quelque chose comme ça, mettre de l'argent de côté. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres, ils se réservent de l'argent pour se faire plaisir. Ils sont heureux, ils ont la joie, la fête, ils sont bien, quoi. D'accord? Bon, il y en a, ils veulent se séparer d'une maison. Ou alors, ils sont en séparation et il est question de la maison. Vous aurez des nouvelles là-dessus. Ou alors, peut-être qu'il faudra donner des documents, quelque chose, hein, mes chéris. Hein. Bon, bah, j'en ai, bon, je les sors. Hein. Elles veulent deux par deux, hein, c'est incroyable. Hein. C'est deux par deux avec vous, mes chéris béliers. Ici, vous êtes à distance. Donc, vous avez rencontré une personne, mais il y aura la séparation, où vous êtes séparés peut-être, et puis vous aurez des nouvelles de cette personne, mais vous êtes à distance. Vous êtes à distance. Et vous faites des. Vous échangez beaucoup avec cette personne, énormément. On se lâche plus là. On n'arrête pas d'échanger. Alors vous êtes à distance, peut-être un pays étranger ou une autre contrée, une autre ville. Bon, on était séparés là pour certains. Vous aurez des nouvelles positives en amour. Bah, c'est bien. On s'est culpabilisé ou la personne a s'est culpabilisé. Ici. Waouh, je vais vous dire une chose. Hein. Bon, ici on a l'argent, on a la loi aussi. Hein. La victoire, super. Bon, alors, au niveau. Il y en a qui attendent les papiers. Hein. Vous allez avoir des nouvelles. Bon, j'ai un homme. Ici, j'ai un homme. Ben, c'est pas facile pour lui, hein, mon cher Bélier, vous qui me regardez et qui m'écoutez. Alors là, la totale, il y a l'échec, l'enfermement, vous n'allez pas bien. Il y a la trahison, la fatalité. Au final, vous allez être quand même victorieux avec le temps. Ne perdez pas espoir. Alors là, quand même, il y a la trahison, la fatalité et il y a l'enfermement, vous n'allez pas bien, hein, l'échec. Hein. C'est lourd, hein, tout ça. Hein. Vous me direz quoi, mes chéris? Mais vous allez être victorieux sur quelque chose. J'ai une réussite ici. Hein, d'accord? On lâche rien. On reste positif. Hein, d'accord? Pas facile, hein, pour un homme. Puis, il y a encore l'étranger, le voyage. Moi, j'ai. Vous me direz quoi? Il y a une évolution, d'accord? Bon, j'ai une femme qui évolue. Il faut qu'elle se décide. Il faut qu'elle se décide par rapport à une décision, d'accord? Quelque chose. Ah, elles sont parties par terre. Il faut vous décider, madame ou mademoiselle. Il faut vous décider, d'accord? Il y a un choix à faire. En tout cas, vous évoluez, hein, c'est bien. Ouais, ben, là, vous allez être en joie. Hein. Oh, magnifique. Hein. Il y en a qui vont se marier, paxer, vivre ensemble. Ils vont réussir. Il y en a qui réussissent sur l'argent, hein, ici. Hein. Bravo, mes béliers. Et il y en a qui vont se faire plaisir. Ils vont se faire plaisir, mes chéris. Je vais boire de l'eau, j'en peux plus. J'ai pas arrêté, mes chéris. Après, je tousse. Bon. On va voir. Oh, oui, il y a des échanges et tout, mais il y a des contrats aussi. Hein. Il y a des messages et un vœu qui se réalise. Hein. Il y a un vœu qui se réalise ici aussi, hein, plusieurs fois. Hein. Il y a un vœu qui se réalise et tant mieux, vous allez être en joie. Hein. Ici aussi, on va aller à l'intérieur. C'est un peu l'introspection, on va guérir, on va aller chercher ce qui ne va pas au plus profond de nous, de la relation. Mais ici, il y a un vœu qui se réalise. Hein. Pour plusieurs, ici, plusieurs choses. Hein. Et puis, il y a le contrat. Contrat de mariage, contrat de. Oui, il y en a. Hein.
contrat de travail, signature, ça peut être aussi au niveau d'un crédit, microcrédit, quelque chose. En tout cas, il y a de l'évolution dans l'air, hein, mes chéris. Hein. Oui, parce que vous aviez des soucis, hein, vous n'allez pas bien. Hein. Vous inquiétez pas, ça évolue là. Hein. Non, il y en a trop. Trop, c'est trop. Quand c'est trop picot. Je dis ça comme ça, c'est un truc qui me revient quand j'étais gamine. C'est vieux. C'est vieux, vieux, vieux. Ouais, il y a de l'engagement dans l'air. Vous avez vraiment, vraiment, vous allez couper avec les soucis. Vous allez arranger les choses. Il y a une solution qui arrive. Vous inquiétez pas, mes loulous d'amour. Ici, on a encore une fois un vœu qui se réalise, hein, mes chéris. Ça n'arrête pas. Hein. Il y a de l'engagement dans l'air. Hein. Il y a de l'engagement dans l'air. Pour une femme, ou pour vous les hommes, des questions d'une femme, d'un homme, alors bon, d'un homme, il y avait des soucis, de la tristesse aussi, il y avait de la grande tristesse. Il y avait de la grande tristesse. Oui, c'est vrai qu'il y a une rivale ou un rival, mais comment dire, on va évoluer et cette rivale, elle ne va pas réussir, hein, ou ce rival, hein, parce que vous adaptez, vous êtes un homme ou une femme, vous, ou jeune homme, jeune fille, vous adaptez s'il vous plaît. Parce que, en fait, l'amour est plus fort que tout. L'amour gagne. L'amour est plus fort que tout. Hein. Oui, oui, oui. Il y en a pour certains et certaines. Vous voyez en cachette quelqu'un, c'est secret. Vous échangez des messages. C'est particulier ce que je dis. Hein. Vous échangez des messages, mais soit vous ou lui, soit vous ou elle ou lui, enfin l'autre, voilà ce que je veux dire, soit vous ou l'autre, est pris, vous êtes pris, et vous cachez, d'accord? Des messages cachés, renfermés, ouais. Donc, cachés, en fait, hein. C'est une relation secrète, une relation cachée, voilà. Alors, merci, waouh, sarcophage. Bon, c'est la fin de quelque chose en tout cas. Et sinon, on cache dans le sarcophage aussi. Hein. C'est la fin de quelque chose, mais on cache quelque chose. Hein. Mais en tout cas, toujours est-il que, comment dire, c'est secret, vous voyez. C'est pas... Enfin, c'est secret, ça veut dire ce que ça veut dire. Et puis, vous n'allez pas bien. Vous avez peur de tout perdre, on me dit. Mais vous allez faire le bilan ici. Ça aussi, c'est cette carte-là, le bilan, attendez. Je ne pensais pas aller aussi loin, les autres signes vont être jaloux, moi, s'ils le voient. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Wow, ça saute. Il y en a trop, hein. J'en voudrais. Bon, vous aurez la chance. Projection. Projetez-vous pour avoir la chance. Et il y en a d'autres de justesse. Enfin, vous n'y croyez pas à la chance, justement. Il faut vous projeter pour déclencher la chance. Voilà. En fait, vous n'y croyez pas à la chance. Faut projeter. Et il y en a qui vont avoir la chance, ça c'est clair. Mais il y en a là, je parle de ce cas de figure. Il y a la fin de quelque chose où vous avez envie de mettre fin. Parce que vous avez fait le bilan. Vous avez peur de tout perdre, comme on dit. Vous avez peur que ça s'écroule, que votre chance... Parce que vous vivez une situation, enfin un standing de vie, ou pas, hein, ça peut être aussi parce que vous aimez la personne avec qui vous êtes aujourd'hui, ou alors vous avez de la tendresse pour elle plutôt. Vous avez de la tendresse encore et puis il y a des enfants.
Puis il y a aussi quand même des biens. Et vous avez peur que ça s'écroule. Bon, on vous demande de faire des demandes, des projections quand même, hein, ici. Hein. D'accord? C'est particulier. Hein. Merci. Puissance, stabilité, amour. Hein. Il y a de l'amour, je le sens. Hein. En fait, soit vous ou l'autre n'est pas libre, ou vous deux, hein, il y a de l'amour, c'est fort. Hein, et c'est très puissant. Hein. Vous êtes comme des aimants. Oui, vous êtes en couple, hein, on me le dit. Hein. Vous êtes en couple ou l'autre. Mais toujours est-il que ici, vous vous trouvez dans un labyrinthe. C'est une histoire de temps. Bon. Sinon, pour mes autres chéris, j'ai des célibataires ici. Ils vont faire la rencontre. La rencontre d'une personne. D'une personne qui va... vous allez vous allez revivre en fait tout simplement. Regardez, il n'y a rien qui poussait là, c'était le désert aride, craquelé, la terre elle est craquelée complètement, il n'y a rien, il n'y a que cette rose qui pousse. Ça c'est l'amour, hein. L'amour, la rencontre et vous allez vous mettre vite en couple hein, ici. Hein. Bon c'est particulier, hein. Et là bel et bien vous êtes en couple. Hein. Alors, encore une carte s'il vous plaît. Mes chers béliers, merci, vous vous illusionnez. Vous allez comprendre que, en fin de compte, c'est une illusion. Vous êtes avec une personne, cette personne, j'ai l'échec et l'oubli. Vous avez peur, ouais, l'oubli. Vous vous oubliez vous-même, et c'est l'échec à tôt ou tard. Hein. En fait, il faut le prendre comme ça. C'est, écoutez, ce que vous vivez, c'est beau et tout ça, c'est attirant, c'est tout ce que vous voulez, mais j'ai l'impression que c'est l'autre, il n'est pas prêt à s'investir, à tout quitter pour vous. Il faut faire attention, parce que là, je peux avoir banqueroute, hein, tout peut s'effondrer. Hein. Donc à vous de prendre une bonne décision, ne faites pas n'importe quoi, réfléchissez, d'accord? Donc si vous avez besoin de moi, vous avez mon mail en dessous de la barre d'infos. Ensuite, ici, là c'est deux par deux. Hein. Bon. Ah oui, c'est ma petite chienne. Elle fait ah, enfin, je sais pas l'imiter, mais elle est trop mignonne. Volonté de passer à autre chose. Oui, bah, vous allez avoir la volonté de passer à autre chose, ça c'est clair. Hein. Parce que je vous dis, vous allez faire le bilan, hein. Vous allez faire la balance. À la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Il y a aussi le spirituel. La spiritualité va vous aider. Elle vous apportera du calme, de la stabilité et des réponses. Reine de terre, attentionnée, créative, chaleureuse et sensible, consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Peut-être vos enfants ou la personne avec qui vous vivez. Aborder les choses de manière sensée, affronter les défis avec bonté et compréhension. Il y aura des défis. Hein. Ben là, de toute façon, c'est déjà un défi. Hein. Et puis, il y en a d'autres que consacrer du temps avec les personnes autour de vous, mes chéris, les personnes proches. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, mes chéris, bélier. Ben, écoutez, là, bientôt, ça va être le week-end. Très bon week-end. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine prochaine. Et de la douceur, et qu'elle soit agréable. Gros bisous, I love you, mes chers béliers. Je vous aime, Nati vous embrasse.